Nous sommes là. Hey, salut à tous, Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, de retour sur Call of Duty Modern Warfare. Et aujourd'hui, pour débloquer la nouvelle arme qui est sortie hier, l'arbalète. Et il me reste une partie. Voilà, pour le débloquer, il faut donc faire, avec le fusil tactique équipé d'un viseur réflexe, 5 éliminations au cours de 25 parties différentes. J'en ai fait 24, c'est-à-dire qu'une partie supplémentaire. Et c'est bon, pas débloquer l'arbalète. Alors, arbalète que j'ai, puisque j'ai acheté la variante de la boutique, qui est équipé de certains accessoires et atouts, etc. Mais le petit hic, voilà, je sais pas, c'est que tu ne peux pas modifier l'arme. C'est-à-dire qu'elle est là, tu n'as pas débloqué l'arme de base. Si tu possèdes une variante, tu peux l'utiliser. Seul hic, tu ne peux absolument rien modifier. Donc là, que ce soit les accessoires, l'apparence, le réticule, rien. Mais au moins, j'ai pu jouer avec, puisque justement, l'arbalète fait partie des fusils tactiques, équipé également d'un viseur réflexe. C'est-à-dire qu'avec cette variante-là, grâce aux éliminations que tu vas réussir à faire dans une partie, permet de débloquer le défi, enfin de jouer pour le défi et de débloquer l'arbalète de version de base. Voilà, ça paraît un peu con, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, grâce à l'arbalète, tu peux débloquer l'arbalète. Ne demandez pas. Donc du coup, on va faire encore une petite game. Puis voilà, alors on va se faire à la guerre comme à la guerre. Shoot out, shipment, et c'est tout. Seul hic, encore une fois. Oui, bah, c'est ma dernière fois, il y a forcément des hic. C'est en 55, voilà. Bien sûr. Alors 55 sur shipment, encore ça va. 55 sur shoot out. Moins, on va le dire comme ça. On va débloquer l'arbalète et ensuite on verra, puisque le fait que j'ai pu utiliser l'arbalète pour débloquer les niveaux, également ça m'a permis de monter en niveau sur l'arbalète. Donc je suis niveau 31, voilà. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai débloqué à l'issue de cette partie-là, bah, ça me permettra derrière d'avoir déjà des accessoires, des camouflages, etc. Donc finalement ce sera une bonne chose. On va se faire avec le fusil tactique pour commencer. Point stratégique. 1, 2. 8. Oula, c'est un peu fort. C'est un peu fort. D'accord. C'était même pas. Tu te rends compte que le mec, j'ai galéré à le buter et finalement j'ai buté un mec, c'était même pas lui quoi. Il y a des gars comme ça, t'as l'impression que tu peux pas les tuer. Bon, attends, faut que je me mette dedans un peu. Bon, en même temps, shipment pour la première game, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. Ok. Ça va plus être mieux. Voilà, du coup, c'est bon, j'ai débloqué l'arbalète. Hein. C'est officiel. Normalement, nous avons officiellement débloqué l'arbalète. Attention, oui, on l'a débloqué effectivement. Elle est où? Elle est là, voilà, arbalète. Silencieuse mais agile, cette arbalète tire des carreaux de 508 mm particulièrement puissants. Avec ses éléments personnalisables, ses fonctionnalités uniques et le type incomparable de ses munitions, elle n'a pas son égal. Les carreaux 508 mm standard peuvent être récupérés et ne sont pas détectables par les systèmes Trophy. T'as l'impression qu'ils essayent de te la vendre le truc. On va mettre en hardcore. Est-ce que en hardcore, ce serait pas bien les flèches explosives? En plus, est-ce qu'il n'y a pas un atout qui permet d'avoir plus de dégâts avec les explosifs? Les dégâts d'explosion retardent la génération d'ennemis des santé. Ah. Mais du coup, c'est bien, là, on est sur shipment. J'ai envie de voir si, en hardcore, avec les explosions, tu peux tuer plusieurs ennemis. Parce que là, du coup, les flèches sont moins puissantes. Donc, en normal, tu vas pas toujours one-shot avec la flèche de base. Mais ça sera pas le problème en hardcore. Par contre, est-ce qu'avec l'explosion, ça permettrait d'avoir un bon radius que s'il y a 2-3 mecs collés, tu puisses les buter? Ça serait un truc de ouf. Oh oui! Oh damn! Oh! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Oui 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 oui! Oh c'est la folie! Oh c'est la folie! J'ai trouvé un truc, ça y est. Ah ah, canaille. Ah
Là, ça va être la folie, là. Ah, voilà. Ça y est. L'arbalète, j'ai trouvé la meilleure utilité de l'arbalète. Ah bah là... avec ça, le mode hardcore, il va te pourrir. I saw your death in the mirror. Alors c'est vrai que les gaz lacrymo également sur son shipment, ça va être de la merde. Hein. Oh, oh, la triple. Oh, avec ça, tu peux mettre une petite quad feed, mon pote. Hein. Ah oui. Ah oui. Un allié. Ah non. Mais tu vois, quand tu touches pas un ennemi, ça met du temps avant d'exploser. Quand tu touches un ennemi, ça explose beaucoup plus rapidement, quoi. Et sans viser, ça passe bien aussi, je trouve. C'est ça le truc, c'est que... C'est moche hein, ce que je fais, mais c'est les défis. Hein. Tiens, merde! Allez, tire de loin, ça va être compliqué. À la limite, sur shoot house, ça peut le faire. La file était patch, ouais. Ouais. Pas encore heureux. Ouais. Il y a les tirs alliés en hardcore, oui, bien sûr.
plus l'AFK. Hein. On profite, on fait des headshots, hein, parce que les headshots c'est un peu moins facile. Hein. Au moins, franchement, son shipment en hardcore pour les défis, c'est génial. Surtout qu'il faut savoir que la playlist shipment shoot house en normal, elle est en 5 contre 5. En hardcore, elle est en 6 contre 6. Hein. Donc c'est beaucoup mieux. Par contre, tu peux quickscope, c'est tellement bon. Les quickscopes que tu fais avec l'arbalète, c'est magnifique. Ah, putain. La DAF, ouais, je m'en bats les couilles. Non. Je peux mettre, hein. Allez, est-ce que ça arrive? Putain, 63 kills à l'arbalète quoi. Eh, là vraiment en hardcore c'est... Ah oui. C'est chaud hein. Ce mec il tue son allié quoi. Bah écoute, oh putain, à la seconde. Il arrive. Je sais que t'as rien, mon pote. What? Aouh! Shit! Allez, viens là. Ils sont déjà dessus, tu rigoles? C'est-à-dire que mes alliés, ils sont où là? Go on. Allez, casse-toi, bouffon! Putain, c'est long. Oh, c'est long! Mec, j'ai eu... Attends, je sais pas ce qui est le plus long, c'est recharger l'arbalète ou trouver une game sur MW, quoi. Coucou. Et je viens d'arriver, mais j'ai l'impression que je suis tombé avec des alliés quand on branle pas une, hein. Non, mais... Ils sont 4 en face, quoi. Ça m'énerve. Tu sais, ils te font une playlist à 5... Oh, fils de merde. Il faut une playlist à 5 contre 5, c'est le truc vraiment qui... Sur Shoot House, quoi. C'est une petite map, mais faut pas exagérer non plus, quoi. C'est pas de l'escarmouche, quoi. Bientôt, ils vont mettre de l'escarmouche sur des maps comme ça, quoi. Ah, putain, merde pas. Vas-y, va pas, hein. Ah, les gars. T'as l'impression qu'il faut les secouer, quoi. Ils foutent rien, les gars. Ils foutent... Ah, oui, ça m'a saoulé. Il y a des fois, j'arrive bien, mais si l'ennemi est trop près ou quoi, je sais pas, j'arrive pas. Faut que l'ennemi, il bouge pas, ou... Quand t'as pas de viseur et pas accessoire, la flèche elle part. Le carreau. J'ai dit la flèche sur la vidéo d'aujourd'hui, un mec m'a dit ah, c'est pas une flèche, c'est un carreau. Et ça va. Et le roi Merlin, calme-toi un peu là. Attends. Oh là 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 là. Tiens. Ah, t'es content hein. Ah, je suis désolé, mais moi j'ai vraiment des alliés, ils servent à rien. Oula. Mec, il s'appelle Jean-Claude. C'est quoi ton blaze sur Call of Duty? Non, c'est Jean-Claude. Tout simplement. Ah, c'est les mecs. Eh. Hein? Pardon. Ah mais toi, faudrait que t'ailles te faire foutre un peu, hein. Mec avec son C4 de merde, là. Par contre, faudrait m'expliquer, hein, des fois, comment la... Je sais pas. Là, ouais. Ah bah voilà. Ah, c'est pas un tir de loin, ça.
coup ça va arriver derrière, non? C'était beau quand même. Ouais, bah vivement que je puisse mettre des accessoires sur l'arbalète, mais bon, on est bien parti là, regarde, 13 frags, ça va. Je sais pas ce qu'il foutait lui. Ah c'est bon, j'ai fini le défi. Je vais pouvoir mettre des accessoires. Yes. C'est bon. On va pouvoir mettre des accessoires, on a fini le défi sans accessoires, c'est parfait. Ah! Oh là là. Ça change tellement la vie que maintenant t'as pas ce pass, tu t'en rendais pas compte hein. Ah ouais, je m'en rendais pas compte mais tu sens. Du coup... Je pense que je vais prendre les carreaux... Pas les... points. À gaz ouais, à gaz. J'ai fait de marqueur à l'autre de loin quoi. Ah mais merde, viens pas me faire chier, j'ai en train d'essayer de faire des tirs de loin là. On va faire une classe spéciale pour ça. Pas de me faire chier hein. Bah, de toute façon on a perdu d'avance mais bon c'est pas grave. Putain. De loin j'ai du mal, attends on va changer le viseur. J'ai trouvé un viseur avec lequel j'arrive bien de loin. Piti. Drone ennemi au-dessus. Ça vous ferait chier de venir là, que je fasse mes tirs de loin ou quoi? De toute façon après les tirs de loin on va se les faire en hardcore. Hardcore avec les flèches explosives, ça va être le top. Ça a pas one shot ça hein. Bien sûr qu'il y a une retombée de flèche. Non, on appelle pas ça une flèche, on appelle ça un carreau. Un carreau. Hein. Ça franchement sur shipment, les flèches à gaz toxique sur shipment, si t'enchaînes un peu les gars, ça va être l'ignoble. Vraiment. Parce que le gaz toxique, c'est vraiment de la merde. Ça fait trois fois que je le bute, non? Je crois que c'est le même à chaque fois que je bute, hein. Pauvre type. Pauvre type. Et on appelle ça un carreau. Un carreau, ben bien sûr.